Salut les baigneurs. Aujourd'hui, je suis à Budapest, au pays de la multiple championne de natation que je vais vous présenter en détail, Christina Egerzegi. Hey, mais c'est chouette ici! L'eau a l'air très chaude. Oui, nous sommes au sein de la piscine Széchenyi, avec ses bassins chauffés naturellement à la source thermale, comme c'est une spécialité ici. Moi, j'irais bien me baigner, ça a l'air kiffant. Hep, c'est avec le maillot de bain ici. Oh bah non! J'ai même pas prévu de maillot de bain dans mon sac! Retour sur le parcours atypique de Christina Egerzegi, qui marqua l'histoire de la natation. Pour quelle raison? Regardez bien l'épisode et vous saurez. Christina Egerzegi commence la natation à l'âge de 4 ans en Hongrie, le pays résolument tourné dans la natation et les sports aquatiques. Pour toutes les infos qui expliquent ce phénomène en Hongrie, je vous invite à regarder le top 5 des nations de la natation si vous ne l'avez pas encore fait. Son premier entraîneur, Miklós Kiss, l'a fait remarquer à László Kiss, alors entraîneur du club de natation de Budapest. Hey László Kiss, c'est pas celui qui t'a impliqué dans une affaire de viol? Oui, en effet. J'en parle d'ailleurs brièvement dans le top 5 des entraîneurs de natation. Ah, je me demande bien si ce genre de scène en Hongrie, ça se déroule pas dans les bains. Ça fait bien rager le kiki, toute cette chaleur. Ce même László Kiss la confie finalement à Georgi Turi, prenant la nageuse en charge dès 1986, lui demandant de l'entraîner sur les 4 disciplines. Christina Egerzegi apparaît sur la scène internationale dès l'Euro Junior en 1988, à Amersfoort aux Pays-Bas. Elle dispute quelques mois plus tard ses premiers Jeux Olympiques à Séoul, en commençant par remporter une médaille d'argent sur le 100 mètres d'eau, derrière l'Est-Allemande Christine Otto, la grande star de ces Olympiades, remportant rien de moins que 6 titres. Christina rate son premier titre olympique sur le 200 mètres d'eau, devant deux autres Est-Allemandes, Katrin Zimmermann et Cornelia Sirch. Elle devient à cette occasion la plus jeune championne olympique, à un peu plus de 14 ans, avant que ce record ne soit battu lors des JO suivants à Barcelone par la nageuse japonaise Kyoko Iwasaki sur 200 mètres brasse. L'année suivante, pour sa première participation à un championnat d'Europe senior à Bonn en Allemagne, Christina remporte les deux médailles d'argent de la discipline du dos, derrière Otto sur 100 mètres et l'Allemande de l'Est Dagmar Hase sur le 200 mètres et l'argent du 400 mètres 4 nages derrière Daniela Unger. Comme quoi elle avait bien faim cette Daniela. Hein? Daniela? Daniela, la 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 la. Oh, Daniela, la 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 la. Je voulais dire fin de compétition, abruti. Non, mais moi, je parlais de la masseuse qui allait s'occuper de moi de suite. À votre tour, monsieur! En ordre! En position! Ah non, au secours! J'avais pas demandé ces mensurations! Exceptionnellement et hasard du calendrier, deux compétitions internationales de natation se déroulent sur la même année 1991, les mondiaux à Perse ainsi que l'euro à Athènes. Christina Egerzegi remporte alors ses deux premiers titres mondiaux sur le 100 mètres d'eau devant sa compatriote Tunde Szabo et sur le 200 mètres d'eau devant l'Allemande et plus que de l'Est, Dagmar Hase, en battant même dans chacune de ses disciplines le record du monde. L'un d'entre eux, 2 minutes 6 secondes et 62 centièmes, établi sur le 200 mètres d'eau, ne sera brisé qu'en 2008, soit 17 ans plus tard, par la Zimbabwéenne Kirsty Coventry. Quelques mois plus tard, quand elle se présente à l'Euro durant l'été, ce n'est plus qu'une formalité pour Christina de remporter les deux titres européens sur les deux distances de dos. Elle en profite pour dominer également le 400 mètres 4 nages devant la Roumaine Béatrice Caslarou. Christina aborde ensuite ses deuxièmes Olympiades en 1992 à Barcelone, autant que détentrice des records mondiaux sur les 100 mètres et 200 mètres d'eau. Elle entame la compétition en remportant le 400 mètres 4 nages en devançant la chinoise Lin Li et la favorite américaine Summer Saunders. Le lendemain, elle remporte le 100 mètres d'eau en devançant sa compatriote et désormais dauphine Tunde Szabo. Le triplé viendra enfin et sans surprise avec sa médaille d'or sur le 200 mètres d'eau, à nouveau devant l'Allemande Hase. Christina fait très bonne figure car elle est la seule nageuse à remporter 3 titres individuels lors des mêmes jeux, devenant la 3ème de l'histoire de la natation féminine à réaliser cette performance après Debbie Meyer en 1968 et Janet Evans en 1988. L'année suivante, lors de l'Euro 1993 à Sheffield en Angleterre, elle confirme sa domination sur les deux distances du dos en remportant un nouveau doublé. Elle s'impose aussi, comme une nouvelle habitude, sur le 400 mètres 4 nages, mais aussi sur le 200 mètres papillon. Un quadruplé individuel européen en somme. Mais 1994 verra ses premiers revers, comme lors des Mondiaux de Rome, où Christina doit se contenter de la médaille d'argent sur le 200 mètres d'eau, battue par la chinoise He Tiong. Elle rate carrément son 100 mètres d'eau, où elle ne peut pas faire mieux que la 5ème position, course également remportée par la même chinoise He Tiong. Christina avait prévu avant cette échéance qu'elle arrêterait sa carrière, mais ne souhaitant pas terminer sur ses revers, elle prit la décision de continuer jusqu'aux Jeux Olympiques d'Atlanta, prévus en 1996. Ah bah dommage. Mais bon pour toi, c'est pour plus tard ma chérie.
Lors des championnats d'Europe 1995 à Vienne en Autriche, elle obtient son troisième titre consécutif sur le 200 mètres d'eau et remporte également le 400 mètres 4 nages. Christina Igarzegui obtient également la médaille d'argent lors du relais 4x100 mètres 4 nages, la première et seule médaille en relais de toute sa carrière. Son temps sur cette course, 1 minute et 93 centièmes, est près de 2 secondes plus rapide que celui de la gagnante du 100 mètres d'eau, discipline qu'elle avait décidé de ne plus disputer en compétition officielle. La voilà arrivée à Atlanta en 1996 pour participer à ses troisièmes Olympiades. Elle marque l'histoire de la natation en remportant pour la troisième fois consécutive le titre olympique sur le 200 mètres d'eau, exploit uniquement réalisé auparavant par l'Australienne Dawn Fraser, qui sera également atteint près d'une décennie plus tard par un certain Michael Phelps. Sur cette course, elle devance l'Américaine Whitney Hedges. Elle remporte pour finir une deuxième médaille lors de cette compétition, avec le bronze lors du 400 mètres 4 nages, derrière l'Irlandaise controversée Michelle Smith et l'Américaine Alison Wagner. Christina met alors comme prévu fin à sa carrière sportive, qui s'avère être l'une des plus prolifiques en titre dans l'histoire de la natation féminine. Elle rejoint le CIO et est intronisée par la suite au sein de l'International Swimming Hall of Fame, le plus grand musée de la natation, détaillé dans un épisode précédent dont vous avez le lien ici. La Hongrie, grande patrie de la natation, l'honore encore aujourd'hui comme il se doit, ayant été l'une des plus grandes ambassadrices de son pays natal. Cet épisode sur Christina Igarzegui est désormais terminé. Les partages, les réseaux sociaux, les commentaires, n'hésitez surtout pas, avec un pourboire sur Tipeee. Vous aurez remarqué que le rythme de parution des épisodes est désormais très espacé. J'ai décidé de me défaire des exigences de l'algorithme de YouTube et d'un certain productivisme de masse, afin de bien prendre le temps d'écrire et préparer les épisodes et y apporter, je l'espère à vos yeux, une qualité plus conséquente. Quant à moi, je vous laisse, je dois promener le baigneur aux eaux de Budapest.